Hey les potes, je suis déjà rentré en France et dans ce vlog, je réponds à vos commentaires de ma vidéo souvenir d'Eclipsia. Transition, pourquoi ai-je quitté EC, machin, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout de suite. Vas-tu continuer à streamer? Vas-tu continuer à faire des vidéos? Va-t-on encore te voir sur internet? Eh bien la réponse est oui. Voilà, je suis actuellement de retour chez mes parents sur Dunkerque. C'est une situation qui est temporaire étant donné que je cherche un appartement actuellement avec ma copine. Seulement ici je ne peux pas streamer tout simplement parce que mes parents font des travaux ici en ce moment et entre le marteau, la perceuse, le machin, c'est impossible. Et en plus le soir, mon petit frère a changé de chambre et dort à côté de la mienne, donc plus un mot, plus un bruit. En tout cas, je cherche un appart rapidement et que ces vlogs, voilà, comme celui-ci, vont être là pour faire cette transition. C'est-à-dire que, ok, je vais pas stream pendant un petit moment, peut-être un mois, j'espère pas plus, en tout cas. Et je vais essayer de sortir peut-être quelques vidéos gaming, si jamais la perceuse s'arrête, et des vlogs comme celui-ci. D'ailleurs, si vous aimez ces vlogs, faites-le savoir. Si vous ne les aimez pas, eh bien, faites savoir ce qui vous a pas plu. Hein. Par exemple, le son est pas bon, la caméra est pas bonne, ou je sais pas, quelque chose dans le montage, etc. Faites-le savoir. Même si vous avez aimé, vous pouvez dire ce que vous avez aimé aussi. Ça, c'est important. Pourquoi ai-je quitté Eclipsia? Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi. Apparemment, je n'ai pas été assez clair, ou vous m'avez pas compris. Tout simplement, le projet m'animait beaucoup moins. Je trouvais qu'on manquait de dynamisme, j'avais du mal à m'y retrouver. La vie sur Ashford m'ennuyait trop, j'avais tendance à déprimer chez moi. Et j'avais besoin de rentrer en France avec mes copains, avec ma copine et avec ma famille, tout simplement. Je suis absolument pas parti en mauvais terme avec Eclipsia, je suis prêt à rebosser avec eux si jamais ils en ont envie et ils le savent. Et vous inquiétez pas que... vous inquiétez pas qu'ils le savent. J'ai déménagé lundi. Voilà, j'ai rangé donc toute ma chambre. J'ai dû tout ranger, préparer mes bagages, démonter mon armoire, démonter mon bureau dimanche. Et lundi, mon père est venu me chercher avec un petit kangou. Et je suis parti d'Ashford, tout simplement. J'ai déménagé. On a réussi à tout faire rentrer dans ce petit kangou. Donc ça, on était plutôt rassurés, parce que c'était pas évident. On a dû user de plein de techniques. Seul petit hic de ce déménagement, eh bien, c'est que mon père a tout simplement cassé mon boîtier de PC et s'est reçu le PC sur l'orteil. Alors, deux choses. Déjà, il s'est fait mal, et je peux vous dire, c'est pas beau à voir. Et ensuite, eh bien, c'est que le PC qui chute d'un mètre, eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je suis rentré en France, comme vous pouvez voir, mon PC tourne derrière, et apparemment, c'est ok. Plus de peur que de mal. Enfin, pour moi, pour mon père, c'est un petit peu moins vrai. Regardez, il y a même mon épée là. On est parti! Oh, 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 allez. Hein? Hey, ils étaient caillasse et cigare. Ouais. T'as entendu? Ah ouais, 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 ils caillassent. Ah, ça sent. Oh, wow. Il y a plein partout. On dirait des zombies. Oh, ouais. C'est pas des chiens? Oui, il est là. Ça va les petits chiens? Bah, si, si je te le dis. Oui.
Oui. Sinon, hier, j'ai repris le water polo. Un an sans water polo, ça se termine aujourd'hui, puisque là, on reprend les bonnes habitudes, on retrouve les copains aussi, ça va être pas mal. J'espère que je vais pouvoir vous filmer des belles petites images avec ma GoPro, et voilà, bon vlog. On se retrouve juste après, ça va être surtout important les impressions de après. Voilà, savoir si j'arrive encore à respirer, savoir si j'ai vomi, savoir si je m'en sors, on verra ça. J'ai pas les mots, c'est dur. Je crois que j'ai même pas fait la moitié des exercices demandés là. Ouais, ouais, c'est chaud, ouais. Waouh, quel homme derrière! Quel homme! Bon, la bonne nouvelle, on va attaquer les exercices au ballon. Donc au moins on a plus à nager. C'est toujours ça de pris, hein. Enfin, on a plus à nager. Façon de parler, hein. On a plus de longueur à faire. Il va encore falloir nager. C'est l'heure du ballon! Bon, bilan de ce premier entraînement de water polo. Je me mettrai une petite mention survie. Hein. C'était très très dur. Juste après les exercices de natation, on a fait des exercices de balle. C'était moins compliqué, étant donné que j'étais capable de faire pas grand chose. Donc je me suis pas beaucoup fatigué. C'était plutôt de l'observation. Hein. Voilà. Bon, ensuite au prochain épisode, les gars. Allez, maintenant à la douche, on mange et dodo.